Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 5 décembre. Il est un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai dormi un petit peu étant donné que la maîtresse d'Arthur fait la grève. On a pu tous dormir un petit peu ce matin. Tout est encore plus gelé qu'hier. C'est tout blanc. La voiture, elle a une couche de gel. C'est magnifique. Je trouve ça trop trop beau. Bref, on va pas perdre de temps. Et on commence tout de suite avec le déballage des calendriers. Alors, le numéro 5 de Laura aujourd'hui... C'est emballé encore, c'est lourd. Je pense à un truc en verre. Ouais, c'est encore emballé dans du bulle. Je suis excitée comme tous les matins. Oui, j'ai les cheveux trempés, je viens de sortir de la douche. Enfin, je viens, il y a 10 minutes. Alors. Attention. Oh! Confiture de Noël. Oh, c'est trop mignon. Fruits rouges et fruits secs. Ah ouais? Jamais j'ai vu ça. Genre fruits rouges, oui, mais mélangés avec des fruits secs, je n'ai jamais... Je suppose que c'est pas la découverte de l'année, bien évidemment. Mais vous savez que moi, il m'en faut peu et que ça, je n'ai jamais vu. Donc les contes de Provence, très bien. Recettes aux fruits secs gourmandes. Au niveau des ingrédients, si ça vous intéresse, fruits et fruits secs, fraises, griottes, framboises, groseilles, raisins secs, noix, noisettes, noisettes, sucre de canne, pectine de fruits et jus concentré de citron. Oh, ça m'a l'air trop bon. Eh bien écoute, tu sais ce que je vais faire Laura, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner et hier j'ai re-eu envie d'acheter des biscottes. Du coup, je vais tester ce matin, juste après. Donc voilà, oh, j'ai trop hâte, je suis sûre que ça va être trop trop bon. On va mettre ça où? Hop, ici, voilà. Ensuite, le petit Disney. Alors, je reçois pas mal de commentaires qui me demandent où est-ce que je l'ai eu. Donc c'est ma copine Marion qui me l'a offert, elle l'a eu au Primark. Voilà, comme ça, vous le savez. Oh, je tombe direct dessus, c'est la grande là. Alors, je pensais de base quand j'avais vu ça à une lime à ongles, mais comme c'est pas un truc beauté, peut-être un crayon ou quelque chose comme ça, comme on est plus sur de la papeterie. Les cases sont toujours faciles à ouvrir. Hein. Alors, ah, mais c'est pas possible, elles sont hyper dures. Ça y est, et c'est bon. La grande case quoi. Ouh, oui c'est ça. Il y a deux crayons à papier. Oh, je vais en donner à Arthur, il va être content. Alors, attendez. Donc on a un avec du quadrillage comme ça. Voilà, motif un petit peu... ça va plus me revenir. Kilt, vous voyez. Et un avec des petits sapins et la silhouette de Mickey et Minnie en tout petit. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. Pas sûr. Là, on voit la petite silhouette. Voilà. Bon, je pense qu'Arthur va choisir celui-là. Je vais lui en faire choisir un des deux. Focus. Merci. La meuf qui fait de la batterie. Pas du tout. Donc, voilà. Merci, ma chérie. On va les poser où? On va les poser là. Tiens. Voilà. Ensuite, le Air Wix du jour. Numéro 5. Ça y est, je ne le vois pas. Je galère tout le temps avec celui-là. Là, sur le OU. C'est parti. C'est bien celui-là, oui. Alors, c'est une couleur... Ah, on n'a jamais eu. Ah bah, c'est la cannelle. C'est sûr, c'est une couleur un petit peu rouge, brique, un petit peu comme ça. Haribo. Et du coup, oui, ça sent grave la cannelle. Oh, ça va être trop bien dans la cuisine. Je vais le mettre là, je vais aller fermer la porte pour pas déranger mon chéri qui est à côté. Donc ensuite, on passe au Yankee Candle. Le numéro 5. Là, ici même. Ça me fait trop mal au cœur de l'ouvrir celui-là, il est tellement beau. Mais bon, faut bien. Oh, on n'a jamais eu une toute orange. Donc je crois qu'après les saveurs se répètent, hein, parce que pareil, ils ont que... 3, 4, 5, 6, 7, ils ont 9 saveurs, donc au bout d'un moment ça va se répéter, mais bon, ça sent tellement bon. Oh, ça sent de la cannelle, ça, non? Je crois, hein. Alors regardez, elle est toute orange. Je sais pas comment ça ressort, mais c'est toute orange.
et cinnamon stick. Moi, je pense que c'est ça. On a aussi retour des pistes, mais là, ça sent vraiment quand même la cannelle. Ouais, ça sent la cannelle. C'est marrant parce que du coup, les deux bougies du jour sentent la cannelle. Donc du coup, ma maison entière va sentir la cannelle. En tout cas, la cuisine et le salon. Ah, ça sent super bon. Celle-là est plus douce et plus sucrée que l'autre cannelle. L'autre, c'est plus... tu prends le bâton de cannelle, tu te le mets dans le nez, tu fais... Voilà, tu vois, c'est... Pour vous imaginer un peu le truc. J'aurais juste pu dire, la cannelle est plus forte sur l'autre. Mais non, faut toujours que je sois dans l'excès, tu vois. Bref, le thé. Quel thé je vais déguster cet après-midi. Je vous dis ça dans 2 minutes. Là, j'ai pas trop galéré. C'est parti. Oh, ah, je sais, on l'a déjà eu celui-là et je crois que je l'adore. Alors déjà, le sachet est magnifique. J'essaie de vous sortir ça et je vous dis ça tout de suite. Alors, je vais garder pour... Ah non, c'est bon, il y a les ingrédients derrière celui-là. Ça serait bien que Daman, si Monsieur Daman passe par ici, enfin messieurs, parce que c'est les frères Daman, la fille, ça serait bien qu'il y ait les ingrédients derrière chaque sachet. C'est pratique, je trouve. Du coup, regardez-moi déjà la beauté. Donc, c'est Miss Daman. Ce sachet est un peu rose gold, orangé. Il est magnifique. Avec des brillants. Vous voyez les petits détails vous n'allez pas voir, mais il y a des détails en brillant. Et trop beau. Oui, je suis très pigeon sur les packaging, c'est affreux. Donc, ingrédients, thé vert, morceau de gingembre. Bon, j'aime pas le gingembre, mais en général, ça se sent pas trop. Huile essentielle de citron vert, arôme, fruit de la passion. Je suis pas trop fruit exotique, mais j'ai un souvenir de celui-là, bon, un bon souvenir. Donc, pétales de fleurs, voilà, c'est tout. Donc, bon, je vous redirai ça tout à l'heure. Soit j'ai halluciné et j'aime pas trop, mais en général, il n'y a pas un thé d'Aman que je n'aime pas trop. J'ai même encore sur mon bureau, je sais plus les noms, mais j'ai un ou deux sachets de thé d'Aman du calendrier de l'année dernière que j'avais gardé pour éventuellement me les racheter parce que c'était mes coups de cœur de tout le calendrier. Je pourrais plus vous dire c'est lesquels. Si ça vous intéresse, je vous le redirai, j'irai voir. Et que je n'ai pas racheté du coup parce que j'ai complètement zappé. Mais il y en a eu ouais un ou deux où ça a été vraiment mes coups de cœur du calendrier de l'année dernière et que je m'étais dit ceux-là en grand format, je peux les boire nickel quoi. Après je peux tous plus ou moins les boire nickel, mais c'était vraiment les coups de cœur des coups de cœur. Ensuite, il nous reste le pop. Le pop. Oula, attendez. Carture, c'est servi en feuille. Mais si je tire, ça va tomber ça, non? Non. Alors, après crumb crumb, qui allons-nous avoir aujourd'hui? La meuf qui se met des claques. Dans le calendrier Harry Potter. Je ne regarde pas, bien sûr. C'est pas le même sachet que d'habitude. Oula, c'est gros. Ah, j'ai eu du mal à le sortir de la case. Donc soit... Ça va tomber avant la fin du mois. Je déballe, mais ça m'a l'air gros. Attendez. Oh la vache. Oula, c'est très bizarre. C'est tout biscornu. Alors attendez. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Là, je suppose... Là, c'est la tête. Il y a un nez, ce n'est pas Voldemort. Là, on dirait un chapeau. Hein. Ah, je pense à McGonagall avec son grand chapeau et ses plumes là ou je sais pas quoi. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait... Ah si, c'est une robe. Hein. Et il y a quelque chose dans la main ou c'est la main. Je sais pas si je mets bien. Bon, je dirais McGonagall parce que c'est le grand chapeau. Quoi. Je pense que c'est un chapeau avec des trucs, des plumes. Ou... Ah oui, puis il est pointu. Il est pointu. Donc, Minerva. Oui, 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 oui. Je l'ai en grande. J'ai la même pop, la même, exactement la même en grande. J'ai Minerva dans sa tenue de bal. Je vais vous la montrer si jamais ça vous dit parce que c'est une des dernières que je me suis offerte. Donc je vais la chercher de suite. Me revoilà. Alors donc ça, c'est celle d'aujourd'hui. Et ça, vous voyez, là on peut vraiment se rendre compte que c'est la réplique en fait. Des grandes mais en petites. Ils vont même jusqu'à reproduire la position des mains, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, là elle a ses petites cernes, enfin ses petites marques de vieillesse, ses mains comme ça qui sont jointes, ses plumes et tout, et vous voyez. Alors forcément c'est plus détaillé sur le grand parce que c'est plus simple pour eux, tout est tellement plus détaillé sur les grandes pop, et son chapeau est énorme sur la grande, vous voyez.
Et, mais c'est vraiment la... c'est vraiment la réplique, c'est trop mignon. Je suis trop contente. Mais oui, forcément, je l'ai eu il y a pas longtemps et tout. Et du coup, bah, je me souvenais de ce grand chapeau et des plumes et tout. Je suis trop contente. Voilà, ouais, je vous montre celui-là alors que je l'ai pas eu, mais enfin, je l'ai pas eu dans le calendrier, mais je suis trop contente. J'ai trouvé et en plus, elle est magnifique. Que demander de plus, hein? Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. En plus, bah, j'aime bien avoir la grande et la petite. Le truc qui sert à rien, mais du coup, je suis trop contente. Bref, ensuite, eh ben, on va ouvrir le sapinou de Noël. Alors, le sapinou. Donc là, ah bah la carte s'est refermée, mais elles sont... Oh, Arthur a dû passer par là, je pense. Parce qu'elles sont toutes vraiment bien refermées. Voilà. Je vais lui demander, mais je suis sûre que c'est lui, le petit filou. Alors, 5. Vous êtes prêts? Oh, le chapeau! Ah, yes! Ah, il est trop beau! Le chapeau. Voilà. Il est trop, trop beau. Bon, petit chapeau. On va te mettre où? On va te mettre en haut. Tiens, ou juste devant là. Tac! Voilà! Le petit sapinou. Bon. Donc, du coup, je vous retrouve pour le petit point avant de vous laisser. Petit point, hier, j'étais tellement morte de fatigue que je ne suis pas retournée dans l'atelier. Je suis pas du tout retournée dans l'atelier parce que il y a eu le temps après de coucher Arthur et tout et tout. Deux, faire le montage du vlog d'hier parce que je le fais tout le temps le soir pour direct l'envoyer parce que ça met longtemps à s'envoyer sur YouTube. Du coup, bah, je fais direct le montage, la miniature et tout. Donc déjà, ça me prend une grosse heure environ. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal. Et après, j'étais épuisée. Et du coup, j'en ai profité pour commencer le point de croix. Mais alors, j'ai fait vraiment quatre petites rangées. Donc, je vous montrerai ça dans la journée. Ce que j'ai fait et puis voilà, du coup ce matin je reprends là où je m'en suis arrêtée hier en fin d'après-midi au niveau des plateaux, c'est à dire que là j'attaque le premier plateau des cuillères chaussettes. J'ai 33 cuillères chaussettes à faire et je vais mettre un bon coup de boost ce matin et de toute façon aujourd'hui puisqu'il faut que toutes ces commandes là soient faites, vernis, inscrit, Didi, emballé, sous enveloppe et sous colis à la fin de la journée pour ce soir ou demain matin commencer une nouvelle fournée de 15-20 commandes. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Je m'en vais tout de suite pour ma chaîne secondaire Déballer le calendrier Lego Harry Potter et Tsum Tsum Disney. Je vous fais des bisous. Et puis, dès que j'ai un petit truc à vous dire, bah, je vous montrerai mon petit déj. Et je goûterai la petite confiture de Laura. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon, encore une fois, je vous montre l'état du dehors, enfin de l'extérieur. Il fait tellement froid. Oui, je fais attention mon cœur. Tout est blanc. Je sais pas si vous allez voir. Et vous voyez, tout est gelé. Hein. Je sais pas si ça ressort. Regardez, c'est trop beau. Voilà, tout est comme ça en fait dehors. Tout est gelé. La voiture. Attends mon cœur. Oui. La voiture est congelée. C'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Et oui, Arthur veut que je vous montre le champignon qui a poussé sur un arbre. Voilà. Donc on l'a mis dans la haie là, parce que mon chéri me l'a montré. Oui, c'était un nid avec un œuf. T'as cru que c'était un nid avec un œuf toi? Oui. Ah bon? Donc voilà, bref, j'adore ce temps. Tout est blanc et tout, c'est trop beau. Bon, voilà mon petit déj. Alors du coup, je me suis pris deux petites baguettines jaquées là, avec la confiture que Laura m'a envoyée. Avec Arthur, on a déjà goûté avec une petite cuillère et tous les deux on adore, c'est trop trop bon. Ça a vraiment le goût des vrais fruits rouges, vous voyez, il y a même des fruits en entier là. Ça a le goût des fruits rouges avec des petits morceaux de noisettes. Du coup, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est un goût de fruits rouges un peu torréfié. Vous voyez, ça a le goût, ça a vraiment le goût des fruits, des noix et des noisettes avec les fruits rouges. C'est trop 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 bon. Ça va devenir ma drogue. Je sais pas où tu l'as acheté, mais voilà, je pense que je vais. Ça va devenir une addiction, hein, clairement, avec une clémentine et un petit café dans ma tasse Star Wars que j'adore, qui est trop belle. Voilà, ça c'est mon petit déj, et puis après, direction l'atelier.
Bon, il est 16h et quelques. J'en profite, vous entendez peut-être ou peut-être pas, je sais pas, le tic-tic-tic de mon four électrique, pour qu'il y ait un plateau au four, pour faire une petite pause. Oh, regardez-moi ce brouillard, j'aime tellement, regardez. Ça s'est pas levé de la journée et c'est souvent comme ça ici, quand on est en automne, hiver. Je suis absolument fan, ça donne une ambiance, l'ambiance que j'appelle Twilight. Oui, je donne des noms aux ambiances. Bref, j'en profite avant qu'il fasse nuit pour vous montrer, comme je vous l'ai dit ce matin, les quelques petits points que j'ai fait. Alors vous allez voir, c'est pas grand chose. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi les vlogs précédents, je me remets tranquillement au point de croix en cette période hivernale parce que j'adore, enfin automnale et hivernale. Et j'ai trouvé celui-ci, je vous remettrai encore le lien, c'est pas du tout un partenariat, je n'ai pas de commission, je n'ai pas de code promo, enfin j'ai absolument rien. C'est juste que je l'ai trouvé au lieu d'une centaine d'euros sur les autres sites à 60 et quelques euros. Quand je vous ai mis le lien il y a un ou deux jours, il était encore en promo avec les moins 30%. Donc ça le faisait à 60 au lieu de presque 100 euros. Du coup, je vous remettrai le lien, mais je ne sais pas s'il y a encore la promo. Voilà. Donc c'est le petit, ils font aussi Elsa en point de croix comme ça, mais là j'ai trouvé sa robe tellement magnifique avec les feuilles et le petit Olaf derrière que j'ai choisi Anna. Du coup voilà ce que j'ai fait hier. Alors pour vous dire que c'était pas grand chose du tout, hein, j'ai commencé le haut à gauche, hein, donc c'est des demi points de croix. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, voilà, là on voit bien. Et du coup c'est, alors j'ai pris le modèle pour vous montrer parce que là comme ça c'est pas parlant. On en est là. Voilà, on en est ici. Tadam, tadam. Voilà, ce petit bout là. Voilà, voilà. Donc bah, j'ai juste fait vite fait ça. J'ai commencé vite fait avant d'aller au lit hier. Mais voilà, ce soir je vais essayer de m'y remettre un petit peu après avoir bossé. Et je voulais en profiter, tant que c'est la petite pause point de croix, pour vous montrer ma petite boîte. Que j'ai eu aussi sur la même boutique. C'est vrai que j'avais un carton pour ranger mes trucs, ben je vais vous montrer. Voilà, là je rangeais tous les trucs de point de croix dans un carton comme ça et je me suis dit, avec le petit et tout, pour éviter que ça se renverse ou qu'il éventuellement il touche, même si bon on a de la chance, il a jamais touché vraiment à nos affaires, j'investis dans une petite boîte comme ça. Hop, donc je vais vous montrer l'intérieur. Bon, elle était pas chère et c'est la taille moyenne, donc vous voyez elle est quand même hyper grosse. Donc là sur le dessus j'ai mis tous les fils pour ce point de croix là, et je changerai quand j'attaquerai un autre point de croix. J'ai ma petite paire de ciseaux et j'ai mon petit Sharpie, mon feutre indélébile pour marquer les petites roulettes en plastique là. Voilà, et vous avez sur le dessous, vous voyez ça, ça se bouge très facilement. Bah, j'ai encore un petit stock de petites bobines comme ça en plastique. J'ai du de toile, hop, de la toile couleur lin, un petit peu comme ça, j'adore ça. Vous faites du blanc là-dessus, c'est magnifique. Encore du stock de toile, et là j'ai mon petit stock de fil. Voilà, j'en ai beaucoup. Voilà, des neufs, des entamés, j'ai des petites aiguilles en rab. Voilà, c'est tout. Et j'attends normalement demain, si la poste ne fait pas grève et qu'elle passe, je reçois d'autres petits fils qui me manquaient pour certains petits modèles que je prévois de faire. Donc voilà, mais là j'en ai déjà pas mal, pas mal, pas mal. Bon, tout est mélangé parce que je les sors au fur et à mesure que je fais un point de croix. Mais voilà, voilà, voilà. Je trouve cette boîte bien pratique, ma foi. Ça y est, est-ce que j'arrive à la remettre? Oui. Non, il y a un truc qui doit bloquer. Ah. Tac. Voilà, donc sachez qu'elle existe en plus petite et plus grande. Bon, après plus petit ça aurait fait un peu petit, surtout si vous voulez comme moi ranger un peu les toiles et tout en dessous, mais voilà. Et pour la refermer, vous voyez, ah non, je me suis foirée, j'allais dire c'est tout simple. Voilà, bah alors pourquoi j'arrive pas à la fermer? C'est bon, voilà. C'est moi qui n'ai pas doué, hein. Du coup bah, je vous montrerai l'avancée, si j'en fais un petit peu ce soir, je vous montrerai demain. Là, j'ai fait ça en quoi, en 5-8 minutes, quoi. Donc, donc voilà. On verra demain le petit update point de croix où ça en est. Là, je vais retourner sur les commandes. J'avance pas mal, c'est cool. Et je vous retrouverai tout à l'heure pour la dégustation du thé Miss Daman et de la petite collation. Du coup, je vous retrouve dans la foulée. D'habitude, je prends pas mon petit déjeuner, j'allais dire, je suis à l'ouest, je ne prends pas mon goûter aussi tôt parce qu'il est que 16h28,
Normalement, je prends plus vers 17h30, 18h parce que mon chéri rentre à 20h ou 21h, ça dépend. Mais comme là, il fait du télétravail, bah, on fait tout plus tôt. Donc, on dîne plus tôt. Ce qui fait que je prends ma collation plus tôt. Comme ça, je crève pas de faim entre la collation et le dîner. Donc, du coup, je me suis fait le petit thé Miss Daman avec ce sachet mais magnifique. Et bah, comme je suis à mon bureau, je vais vous dire les sachets que j'avais gardés de l'année dernière. Alors, ils sont enfouis sous la poussière, sous le bordel. J'en avais gardé que un. Alors, il y en a deux, mais... Ah oui, non. Alors, il y en a qu'un. Poire marron glacé. Tout poussiéreux, hein. Mais j'avais gardé poire marron glacé. Et j'avais reçu un échantillon, si je dis pas de bêtises, quand j'avais commandé le calendrier de l'Avent. Alors, il y a le carrot cake. J'avais reçu en échantillon le thé d'amande carrot cake, qu'on aura peut-être dans le calendrier, qui est trop trop bon. Mais j'avais reçu aussi celui-là, avec un petit goût chocolaté. Et j'avais gardé aussi l'emballage parce que j'avais bien aimé. Donc voilà, alors celui d'aujourd'hui là, je viens de le faire et je pense pas, j'ai dû confondre avec un autre que j'aimais bien, mais ça sent, parce que ça sent vraiment fort le fruit de la passion et moi les fruits exotiques je suis pas trop fan, donc je vais goûter, mais voilà, je pense que je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Alors alors c'est bon, mais trop fruit exotique. Après, si vous aimez du coup l'été avec une saveur un peu exotique comme ça, celui-là, il est... Coucou. Celui-là, il sera bon pour vous. Mais alors moi, je vais le boire parce que voilà. Mais c'est pas ma tasse de thé. Ah, t'as compris ma blague? Non. T'as assisté à ma blague en direct. Est-ce qu'elle était pas belle, celle-là? Ouais, je ne commenterai pas. Ouais, elle était pas mal. Du coup, en plus, j'ai pas fait exprès de la placer. Pour la collation, vous n'allez rien voir. Donc dans ma jolie bolinette renard qui vient de Maison du Monde, ce bol est magnifique. C'est un petit bol soucoupe parce qu'il n'est pas aussi haut qu'un bol, mais justement j'adore ce format là. Je me suis fait, alors attendez, comment je vais vous montrer, bougez pas, je me suis fait, est-ce que vous allez voir, oui un petit peu, une banane, un petit peu de Alpro Coco, donc du yaourt végétal, et quelques spéculoos émiettés. Parce que les spéculoos sont végétaliens. Voilà, donc il y a de l'huile de palme. Donc c'est pas... Voilà, j'en achète rarement. Vous pouvez le voir de toute façon quand je poste mes photos repas et tout. C'est vrai qu'il y a rarement des spéculoos, peut-être une ou deux fois par an. Mais là, Arthur, bah, lui, il adore ça, il en voulait. Du coup, je me suis dit, bon, comme je peux aussi en manger, on va en prendre. Et puis voilà, tant que c'est rare, c'est vrai que... En général, on fuit l'huile de palme. Parce que c'est pas du tout écologie... Écolo... Écolo... C'est pas du tout écolo et puis bah c'est pas bon pour les orang-outans et la forêt amazonienne, ça on le sait. Donc voilà, on a déjà un mode de vie le plus sain possible, enfin le plus sain, le moins sans souffrance et tout. Donc c'est vrai que voilà, de temps en temps on prend quelque chose avec de l'huile de palme, mais on l'évite quand même au maximum la plupart du temps. Voilà, donc mais sachez que c'est végétalien si jamais... si jamais ça vous dit et que vous ne le savez pas. Comme les Oreos, les classiques. Voilà. C'est tout, donc je vais prendre ça là tout de suite, je suis, vous voyez, dans le bureau, comme ça je peux directement enchaîner, le plateau a dû refroidir depuis, du coup je vais pouvoir le sortir pour continuer un nouveau plateau, et puis voilà, je vous fais des bisous, et je pense qu'on se retrouvera que ce soir pour l'ouverture des calendriers des garçons, parce que sinon j'ai peur que le vlog soit un petit peu trop long, et que ça vous lasse un petit peu, donc voilà, je vous dis à ce soir, et bah, je vous fais des bisous, et à tout à l'heure. Dis-moi, tu veux commencer par lequel? Ah oui, c'est bien le 5. Vas-y. Ouais, tu fais déjà ton repérage avant, toi. Par contre, maman, elle te l'a pas préparé, parce que c'est vrai que, comme tout est en bordel là-dedans... Oh là là, puis il va être dans le fond, le 5. Oh, puis moi, j'ai mis ça contre le radiateur, et je crois que il y a des trucs... des fois, il y a des chocolats. Oups. Mais c'est qu'on n'avait pas allumé le radiateur avant. On l'a allumé d'aujourd'hui. Parce qu'il faisait 18 et demi, 19. Donc on l'a allumé. Bah non, maman, elle ne le trouve pas. Ah, il est là. Tiens, je te le sors. Comme ça, tu l'auras pour après. Ah, pour remettre les autres. Tu veux que je t'aide, chérie? C'est quoi, alors? Dis-nous. Qu'est-ce que tu connais? Sukonando.
Un chocolat neuf. Alors, c'est un chocobon, ça s'appelle. Un chocobon. T'en as déjà... Oui, t'en as déjà mangé de cela. Des fois non, des fois oui. Ah. Des fois non, des fois oui. D'accord. Allez, vas-y. Tu m'as même pas demandé. Je te demande si tu payes maman. Vas-y. Alors. C'est bon. T'as encore la bouche toute seule du manger là. Allez. Soit celui-là, soit comme tu veux. Allez, vas-y. Alors, à ton avis, c'est quoi le petit animal aujourd'hui? C'est un lion. Un lion? Ah, tu sors ça comme ça. Il a eu un chocobon dans sa caisse. Ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. C'est une balle. C'est une balle? Je le crois, papa, s'il te plaît. C'est une balle magique, tu vas voir. Vas-y, ouvre ça. Ah. C'est quoi? Eh, mais on l'a pas déjà eu, celui-là? Oui. Vas-y, va voir. Bah, c'est un castor, ce coup-ci. Tu l'as retrouvé? Montre. Ah, c'est pas tout à fait les mêmes. Vas-y, mets à côté. Ah, c'est pas tout à... Il y en a un qui a le museau long et l'autre non. Ah bah du coup c'était la loutre peut-être et le castor. La loutre la dernière fois et le castor là. Je sais pas. Bon, il est beau. T'es sûr? C'est un chocolat. Ah oui, mais alors du coup... Ah non, il est pas trop mou. Ok, bah on le garde pour demain celui-là. Oui. Ok. Oh, et alors... Il est tout mou. Elle est toute molle. Oh. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Elle est belle? Ouais. Et t'as vu la tête, c'est quoi dessus? Si. Attends. C'est quoi? Est-ce que t'as reconnu? C'est un bonhomme de neige, chérie. Attends. Bah j'attends. C'est quoi? Olaf? Olaf, ah bah peut-être. C'est peut-être Olaf, oui. Tiens, tu viens ouvrir les autres? Alors, tu as celui-ci, ah bah que j'ai pas ouvert. Vas-y, alors cherche la 5, moi je vais ouvrir celui-ci. Vas-y, cherche la 5, mon amour. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Je ne sais pas. Faut vraiment ouvrir les deux parties en même temps, sinon les petites boîtes elles s'ouvrent. Attends, attends, avant d'ouvrir, est-ce que tu te trompes pas, mon amour? Montre. Oui, t'as raison, vas-y. J'avais peur que tu ouvres une mauvaise case. Oh, oh. Attends, regarde, tu l'as déchiré. Oh, ça. C'est un triceratops? Oui, enfin lui c'est top. Bon bah, comment t'arrives à voir alors que c'est les fesses qu'on voit? Eh oui! C'est Toc. Toc? Toc. C'est... Ah, dans Dinosaur King? Oui. Et tu sais, c'est Sarah dans Petit Pied. Tu te souviens? La copine à Petit Pied. Après, ici, le 5. Non, bon non, c'est le 2, mon amour. Oui, vas-y. Oui, encore un oui. Bah je pense oui. Alors t'as les deux morceaux de puzzle. Ah non, t'en as qu'un aujourd'hui. Tiens, donne. Maman va le mettre dans la boîte. Merci. Et c'est quoi l'autocollant aujourd'hui? C'est... Je sais pas. Attends. C'est Candy Can. Ah, c'est du... Une... Tu sais? Un sucre d'orge. Je pense. C'est trop tough. Bah oui. On ouvre le calendrier de papa? Oui. Attends. Coucou, c'est parti. La feuille, là, tu l'as mis là, la feuille. Non, il était pas là. Mais si, Arthur s'est fait une feuille où il met ses autocollants de collection. Voilà. Après, le calendrier de papa. À ton avis, c'est avec qui aujourd'hui? Papa, lui, c'est Mick. Non, Hulk, on l'a déjà eu. Après, c'est lui. Rocket? Eh non, c'est Spider-Man, pourtant il a pas. Montre. Eh oui, c'est Spider-Man. Pourtant il a pas sur l'image. Bah, ils peuvent pas tous les mettre, chérie, sur les images. Je l'ouvre. Non, il n'y a pas. Tiens, là, je vais l'ouvrir. Et ils sont où les autres? Oui. Vu que tu me les taxes à chaque fois. Là. D'ailleurs, ils sont où? Parce que tu peux jouer avec, mais il faut pas les perdre. Il est trop mignon. Il est vraiment bien fait, hein. Oh, j'adore les petites fesses.
Oh, il est beau. Regarde, chérie, comment il est beau. On va faire l'expédition. Oui. Oui, j'ai mis. Tiens, regarde comment il est bien fait. Wow. Bon, le chocolat, papa. Ah, c'est bien, mon chéri. Bah ouais, mais comme on a acheté des petits œufs Arthur, on va peut-être les remplacer. Non, c'est pas ça, les... Bon. Tu vas en acheter des vrais. Les œufs, c'est les Kinder. Les vrais, mon chéri. Je te laisse le manger. Oh, ce matin, je t'ai demandé si tu voulais. C'était ce matin ou quoi? Non, hier, je t'ai demandé si tu voulais acheter des mon chéri. Tu m'as dit non. Je t'ai dit, tu veux que je t'achète une boîte pour remplacer? Tu m'as dit non. Oh, et encore un chocolat ici. Ouais, ah bah oui, demain, d'hier, bien. Il l'a pas mangé, papa. Bref, voilà. Je veux manger mon chocolat. Bah, t'as mangé le chocobon, chéri. Hein ouais. Donc, on le garde pour demain, d'accord? Ah, bon, ouh, j'étais plus là. Ouais. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vais donc débarrasser la table et tout, on va coucher Arthur et je continue dans l'atelier pour tout vernir et commencer à prendre de l'avance pour l'emballage demain et voilà. Donc j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu, je crois que je l'ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous, merci de l'avoir regardé et je vous dis à demain. Bye bye.